that I would not. I feel good. I knew that I would not. Comment je suis venu au parapente? Eh bien, j'étais moniteur de voile, j'avais une petite structure de planche à voile sur le lac d'Annecy, au bout du lac. Et donc j'enseignais sur le lac pendant ma saison d'été. Et donc à force de voir des milliers de parapentistes qui me passaient au-dessus de la tête, voilà, donc ça m'a interpellé, et puis j'ai eu envie de connaître ce sport et puis d'essayer quoi. J'ai eu tout de suite envie avec un copain monter ma petite structure pour que ça soit beaucoup plus convivial, voilà, peu d'élèves, une qualité d'enseignement, beaucoup moins de stress. École différente, c'était avant tout la convivialité, petite structure, voilà, une navette, quelques moniteurs autour de moi. Le stage aussi chez nous, on a un système de radio où chaque élève en fin de compte a une radio sur lui, et à chaque vol en fin de compte, le moniteur en haut est relié en radio avec la personne, avec le stagiaire, l'élève qui va faire décoller. Et ensuite, une fois que l'élève a décollé, il y a un relais qui se fait obligatoirement avec le moniteur qui est en bas à l'atterrissage. Et donc, il y a le suivi des exercices qui se fait par le moniteur du bas. Donc, ce qui fait que l'élève, il est tout le temps en écoute radio avec son plan de vol, ses exercices, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Avec l'école, on a monté un club de parapente. Et donc voilà, le club est né, donc les Gazelles du Lac, avec ce groupe de 50 personnes avec qui on se retrouve le week-end ou en semaine à crapahuter un peu partout sur les massifs, notamment sur le massif d'Annecy, quoi, le bassin annécien, pour faire des vols montagne, des beaux vols montagne, comme on aime dire. You know the way I can't resist you. Myself, I try. Why do we waste time hiding it inside? I want you to be mine. Now it's been and gone. L'école et le club sont à part entière ensemble et sous la même directive, c'est-à-dire que on amène tous les gens en vol montagne. On essaye de les amener en vol montagne. C'est un peu le but de la progression. Nos stagiaires à l'étranger, pour ceux qui veulent, on propose les vols au Maroc, la Turquie, on fait aussi du gros voyage en Amérique latine avec le Chili. Voilà, ce sont des belles destinations où là on est sûr de pouvoir voler et puis de se faire plaisir.